Lors de cette 18e journée, le PSG s'est imposé un but à 0 contre Toulouse grâce à un but de Rabiot à la 75e. La Saint-Étienne s'est imposé un but à 0 grâce à un but de Boyata qui permet à la Saint-Étienne de quitter la dernière place du classement. Les Stéphanois sont désormais avant-dernier avec 22 points. Lyonnais, Lyon reste 14. Lyon reste 15e à la différence de but. Lors de cette journée, quand ils ont fait 0-0, des occasions de part et d'autre. Les Canets restent plus du podium, les Arsenal restent 8e. Lens, grâce à son match gagné en retard, reste en 8e position et peut momentanément doubler le PSG, peut-être. Toulouse, Sochaux 0-0, Sochaux n'a pris qu'un seul point sur ses deux derniers matchs. Le stade de Reims lui a donc fait match nul contre l'AS Monaco, un nul qui ne peut pas satisfaire les Reims. Et Lyon Nice 0-0, les Yvelines restent 13e du classement de l'AS Nice et désormais barragistes avec 3 points de retard sur Bordeaux. L'AC Ajaccio 0, Bordeaux 0. Les Ajacciens restent sur le podium. Bordeaux n'a que 3 points d'avance sur la zone de barrage. Lille et Saint-Étienne, les deux équipes, ont donc fait 0-0. Lille reste désormais à peu près 9e. La Saint-Étienne reste en dernier. Nice 0, Valenciennes 0, Valenciennes reste leader, Nice on vous l'a dit, et désormais barragiste. Nantes et Evian-Toulon-Gaillard, les Nantais battus par Evian, grâce à un but de Clark Tsekkonou. Les Nantais auraient pu même faire un match si Verret n'avait pas manqué ce penalty. Et enfin pour terminer ce highlight, Basset qui bat enfin Sochaux grâce à un but de Julien Palmeiré à 59e, les Bassets ne sont plus barragistes pour la première fois. Au classement, Valenciennes reste leader, Lille est désormais 9e, Lens 8e grâce à son match gagné en retard face à Metz. Lorient est désormais 11e du classement, Lyon reste 15e, Reims est bon dernier. Ce soir, 19e et dernière journée de l'année 2014, PSG Paris qui reçoit Valenciennes. Quand ira Sochaux, Lyon recevra, Lyon plutôt ira à Lens, Bordeaux-Monaco, Saint-Étienne. Saint-Étienne-Lorient, Ajaccio-Toulouse, Bastia-Nice, Metz, Reims-Metz, Evian-Toulon-Gaillard, FC Nantes. Et enfin, pour terminer, les Niçois accueilleront les Lillois.